Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Exclu PS dans lequel on va parler d'un autre Crash Bandicoot. Il s'agit de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Un Crash Bandicoot Insane Trilogy qui n'aura été exclusif à la PlayStation que pendant une certaine durée, 6 mois si je ne m'abuse, dans le but de rappeler l'exclusivité passée de la franchise avec Sony. Depuis Crash Génération Mutant, on n'a plus de nouvelles de Crash Bandicoot. Mais finalement, on va le revoir. Mais Activision se souvient que c'est bientôt l'anniversaire de la franchise. On approche de 2016, le jeu va fêter ses 20 ans et on ne sait pas trop quoi en faire. Alors l'idée va forcément germer, Activision va contacter Sony et ils vont obtenir l'autorisation de réaliser un remake des trois premiers opus de la franchise, histoire de tester un peu le public et de voir si ça l'intéresse toujours de voir Crash Bandicoot. C'est ainsi qu'en 2017, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, un certain Crash Bandicoot Insane Trilogy développé par Toys for Bob. Mais plus qu'un simple remake, l'équipe va entièrement refondre le jeu sur un nouveau moteur. Ils vont refaire les doublages, revoir très légèrement le gameplay, et proposer certaines des fonctions du troisième jeu, Crash Bandicoot 3 Warped, telles que les contre-la-montre ou la possibilité de jouer Coco, dans les deux premiers jeux. Un niveau bonus dans le premier sera également disponible en téléchargement gratuit un peu plus tard. A priori, il n'y a pas de quoi être impressionné, mais ce remake est une vraie réussite, rappelant aux joueurs les qualités originales de la franchise et proposant les mêmes jeux, mais en plus beau, plus fluide, plus agréable à jouer. On redécouvre carrément la franchise grâce à Toys for Bob. Et alors grâce à cette Insane Trilogy, et ben forcément Activision va se rendre compte que le public est toujours aussi fan de Crash Bandicoot et ça va leur donner quelques idées pour la suite. Alors si vous avez joué à ce Crash Bandicoot Insane Trilogy, ben je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.